que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très bien chez moi par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tout simplement, je viens vous présenter une astuce beauté. Voilà. Que vous pouvez faire aussi à vos frères, à vos maris, à vos amis, tout simplement. C'est un masque qui est fait pour une peau mature, mais aussi pour une peau jeune, voilà, qui est assez naturelle, qui va faire du bien à votre peau, qui va nourrir votre peau, l'hydrater, l'exfolier, en tout cas, la rendre très belle, voilà. Et aussi, elle aura un petit effet lifting. Donc là, je vais, la base, disons, de ce masque-là, c'est l'avoine. Voilà, moi j'aime bien utiliser l'avoine parce que comme je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes. L'avoine, moi je viens utiliser ceux-ci qui sont bio. Voilà, j'aime bien utiliser ceux-ci que je viens par la suite écraser, voilà, dans mon moulinex pour obtenir une poudre qui va m'aider à faire mes différents masques. Voilà, donc c'est assez naturel, c'est assez bon. En tout cas, une peau qui va faire ressortir le meilleur d'elle-même. Voilà, parce que vous lui aurez apporté, hein, tout simplement, des éléments assez intéressants qui vont lui faire du bien. Là, j'arrête tout de suite de parler et nous passons dans ma cuisine pour effectuer et composer tout simplement notre masque. Voilà, mes chéris, pour ce masque-là, nous aurons besoin, bien évidemment, de l'avoine que je vous avais présenté. Qui se présente ainsi. Voilà, j'ai tout simplement écrasé pour obtenir cette poudre là. Ce que vous devez savoir, c'est que l'avoine est une céréale pratiquement qui est complet, hein, voilà, pour l'organisme. Il est idéal pour hydrater en profondeur, nourrir les peaux, en tout cas tout type de peau, voilà. Il est aussi indiqué pratiquement pour traiter, hein, disons, toutes les peaux, voilà, sensibles. Et il a aussi une puissante action, disons, nettoyante, voilà, il va nettoyer en profondeur et il va aussi absorber toutes les impuretés, hein, que vous avez accumulées dans vos pores. Et voilà, il va nettoyer en profondeur et c'est un élément qui, disons, respecte, disons, naturellement, hein, le pH de votre peau. Et il est assez idéal aussi parce qu'il contient aussi assez de protéines. Voilà, il va venir aussi vous aider à éliminer toutes ces cellules mortes-là et toutes ces impuretés de la peau. Mais il va venir aussi vous aider à calmer votre peau si elle est irritée. Voilà. Et ensuite, j'ai ceci, c'est du yaourt grec. Voilà. Ce yaourt-là, il est assez solide. Et j'aime bien l'utiliser parce que là, il va venir bien se mélanger avec la composition pour ne pas que les compositions soient trop liquides. Voilà. Donc, ce que vous devez savoir, c'est qu'il contient aussi de l'acide lactique qui est un élément assez essentiel pour lisser et resserrer les pores et éclaircir tout simplement la peau. Et, disons, cet acide-là aussi contient, disons, c'est du lait. Ce lait-là, ce yaourt-là contient, voilà, de la vitamine A qui est assez essentielle pour guérir une peau terne. Voilà. Et aussi, dans le lait, nous avons aussi, disons, pratiquement un peu de vitamine C qui va venir aussi lutter pour contre le vieillissement de la peau. Voilà. Et favoriser, disons, une peau assez éclatante et très jeune. Voilà. Nous avons aussi ici du miel. Le miel qui est un élément assez important qui va venir nous aider à nourrir la peau, à nous aider aussi à cicatriser. Voilà, si nous avons des brûlures et quelque chose d'autre. En tout cas, il contient des éléments assez importants. Il va venir nous aider aussi à rendre souple notre peau, à, disons, la traiter en profondeur, la nourrir et lui donner de l'éclat. Ensuite, pour terminer, nous avons un œuf. Nous allons utiliser ce blanc d'œuf-là pour donner faire cet effet-là lifting à notre peau. Si vous avez une peau assez mature, si vous avez aussi une peau jeune, hein, il peut être, ce masque est assez idéal pour vous tous, voilà, pour tout type de peau, parce que ce sont des éléments assez naturels que nous allons utiliser pour ce masque là voilà. Donc là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire une quantité assez une petite quantité, voilà, et je vais commencer par utiliser ma poudre d'avoine. Là, ce que je fais, je viens utiliser tout simplement une cuillère de ma poudre d'avoine.
Ensuite, je vais venir utiliser une cuillère à café de mon miel. Et là, je viens continuer avec mon yaourt grec. Je vais en prendre aussi une cuillère à café. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais commencer par mélanger le tout avant de rajouter mon blanc d'œuf. Là, ce que je vais faire, je vais venir rajouter, disons, mon blanc d'œuf. On va essayer de rajouter juste une cuillère. Et là, ce que je vais faire, je viens rajouter une cuillère à soupe de mon eau tiède. Si vous voyez que c'est assez liquide, là, moi, je vais essayer de rajouter juste une petite quantité de ma poudre d'avoine. Voilà, pour ne pas que ça dégouline trop. Je vais rajouter à ça juste une petite quantité, mais vous, si cette consistance là vous va, vous pouvez vous arrêter là. Voilà. Voilà. Donc là, ça donne ça. Moi, je préfère que ça soit, ça ait cette consistance là parce que je veux pas que ça dégouline. Voilà, donc nous allons passer maintenant à l'application. Donc voilà mes chéris, nous allons passer à l'application. Donc là, ce que je vais faire, je viens toujours me munir de mon pinceau et je vais essayer, j'aurai aussi un miroir, je vais essayer de réactiver mon masque, voilà, juste en le mélangeant, hein, il n'y a pas assez grand chose à faire. Je vais le mélanger et hop, c'est parti pour l'application. Voilà ma chérie, voilà ce que ça donne après l'application. Ce que nous allons faire, nous allons laisser poser 15 à 20 minutes et puis juste le temps de laisser sécher. Et juste après, nous allons passer au rinçage et rincer le tout à l'eau tiède. Donc là, j'arrête de parler et nous nous voyons tout de suite hein, lorsque ça sera sec. Voilà, à tout de suite. Coucou, voilà ma chérie, le masque a séché, je n'arrive même pas à parler. Voilà. Comme vous pouvez le voir, il a commencé par ici à tirer. Voilà, vous pouvez voir des fissures là. Et donc là, je vais commencer par rincer le tout. Et ce que je vais faire, je vais rincer à l'eau tiède. Et lorsque je suis en train de rincer, essayer de faire des mouvements circulaires. Voilà. Comme ça, ça va donner encore plus d'effet à notre masque et ça va faire un effet exfoliant. Voilà, un petit effet exfoliant. Donc là, j'arrête de parler, je pars rincer et je reviens à vous. À tout de suite. Coucou, voilà ma chérie, voilà ce que ça donne. Et juste après avoir enlevé le masque, et là, waouh, je sens ma peau assez... C'est lifté hein. Et puis bon, je sens qu'elle est très douce. Voilà, c'est ça, c'est l'effet surtout de l'avoine et j'ai un peu plus d'éclat au visage. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir essuyer avec mon papier sopalin, disons que je vais tout simplement tapoter. Et voilà, voilà comment est-ce que se présente ma peau juste après l'application de ce masque là qui a en même temps hein, vous fait un petit exfoliant.
En tout cas, si vous avez une peau mature, vous avez une peau jeune, vous pouvez l'utiliser. Elle va vous enlever toutes les pollutions qui se sont accumulées dans vos pores et vous allez voir que votre peau sera plus éclatante et rayonnante. Et vous allez avoir ce petit effet-là, lifting, par la présence du blanc d'œuf, tout simplement. Voilà, ce sont des éléments assez naturels qui vont vous aider. Faites-le le plus souvent, voilà, à la maison. 2 ou 3 fois par semaine quand vous avez le temps, mais faites-le, voilà, ça va vous aider. C'est pas en un jour que vous allez avoir le résultat, hein. Voilà, moi je le fais tout le temps. Et vous allez voir que ça va vous aider, vous allez avoir un aspect un peu plus jeune. Votre peau sera un peu plus rajeunie si vous avez des imperfections sur votre peau. Ça va vous aider à purifier votre peau et votre peau sera plus saine. Et ce qui va entraîner aussi l'élimination de ces imperfections-là. Vous allez voir l'amélioration de votre peau au fur et à mesure que le temps passe. Voilà, donc moi là, j'ai une peau nickel. Moi, je vous invite à le faire. Hein, et comme je le disais dans un commentaire que m'avait laissé une abonnée, qui a vraiment une peau désastreuse, comme vous le voyez là. Moi aussi, j'ai eu ce problème-là dû au stress, à la pollution et bien d'autres. J'avais, disons, le front qui était rempli de boutons. Voilà. Et pas de petits boutons, pas les moindres. C'était des boutons assez grands. Et aujourd'hui, j'ai pu, avec ces petites astuces-là, éliminer ça. Et ma peau est nickel. Depuis que j'ai commencé à prendre soin de ma peau, et en tout cas, ma peau est saine et belle et je me sens bien. Voilà, je me sens bien. Je suis quelqu'un qui se maquille tous les jours, comme vous pouvez le constater. Ma peau est assez saine. Voilà, je peux dire comme ça. Et ce sont ces éléments naturels là que j'utilise pour améliorer ma peau. Voilà, et ils me font du bien. Moi, je vous invite à le faire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires. Essayez de faire ça à la maison. Vous allez voir que ça va vous faire du bien. Laissez-moi des commentaires, likez, partagez cette vidéo à vos connaissances, à vos amis, sur vos réseaux sociaux. Et abonnez-vous pour ces personnes-là qui ne sont pas encore abonnées. Cliquez sur la petite cloche pour ne perdre aucune de mes notifications. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et bonne journée.